vidéo de présentation rapide de mBlock 5 qui remplace l'ancienne version en 3.4. Par défaut, j'ai deux catégories, appareils et objets. Lorsque je viens sur objet, je retrouve exactement l'interface de Scratch. Je pourrais rajouter d'autres lutins. Et lorsque je viens sur la catégorie appareil, je vais pouvoir associer du matériel robotique, ce que nous allons faire dans toutes nos activités. Je vais commencer par supprimer l'appareil CyberPie ici, qui ne sert pas. Et je vais tout simplement venir ici sur le bouton plus pour ajouter le robot MBot que je vais trouver ici. Je valide la case OK. Je pense à connecter le robot sur un port USB de l'ordinateur et je pense à le mettre bien entendu sous tension. Une fois le robot sous tension, je peux à ce moment-là le connecter. L'ordinateur va vous proposer un port USB, donc ici COM 4, vous validez par défaut ce port. Je vous conseille vivement de commencer par la mise à jour en cliquant sur le menu paramètres. Donc vous allez mettre à jour le programme qui va se téléverser dans le robot pour avoir la dernière version. Une fois le programme téléversé, je clique sur le bouton OK. Je vais reconnecter à nouveau mon robot ici en cliquant sur connecter. Et je vais trouver maintenant dans les catégories, alors non plus des actions spécifiques au lutin, mais des actions, des instructions spécifiques ici à mon robot. Donc je pourrais très bien rester sur les interfaces Scratch ou bien si je connecte le robot ici dans les événements, lorsque je vais venir téléverser le programme, je pourrais déclencher ici l'instruction lorsque le robot démarre et avec le programme qui va s'en suivre. Je peux éventuellement rajouter d'autres extensions, chose que nous n'allons pas faire dans un premier temps, mais qui peuvent enrichir ici les possibilités dans les différentes catégories. Je me connecte ensuite sur le site du professeur. Je vais venir dans l'onglet Programmation. Je choisis ici la page MBot. Et après avoir rentré notre mot de passe, je vais trouver tout un tas d'activités qui vont vous occuper un petit moment. Une fois le programme réalisé par rapport à l'activité demandée, vous vérifiez que vous êtes bien sur le bouton Téléverser. Vous allez venir ici télécharger. Vous allez transférer le programme de l'ordinateur vers le robot. Ça s'appelle également téléverser et le robot va acquérir la programmation. Si par hasard vous avez un échec, il faudra changer de port USB et recommencer. Une fois le programme téléversé, vous vérifiez le bon fonctionnement de ce programme. Si vous devez le modifier, il faudra le téléverser à nouveau. Voilà, bonne activité.